l'église. Bonjour. Good morning, everybody. Moi, je souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. I welcome you in the presence of God. Moi, j'espère que vous êtes bien. Amen. I hope that you are well in Jesus' name. Ce matin, mon père m'invite dans le livre de la Genèse. This morning, I'm going to take you to the book of Genesis. Au commencement même de la création. In the beginning of the creation. Où Dieu créa l'homme. When God created man. Le premier Adam. The first Adam. Dieu créa l'homme. God created man. Parfait à tout point de vue. Perfect in everything. Que ce soit. In whatever he is. Physiquement. Physically. Psychologiquement. Psychologically. Émotionnellement. Emotionally. Et spirituellement. And spiritually. Partie la maladie. No sickness. Partie la virus. No virus. Partie la stress. No stress. Pas de problème. No problem. Tout était parfait. Everything is perfect. No problem emerges. Maintenant, on va lire la Bible dans Psaume 139, verset 14. You can open your Bible in the book of Psalm 114. Trouvez malheureusement, ils ne veulent pas prendre en considération l'avertissement du Seigneur. But he didn't take care whatever the Lord said. He disobeyed. Maintenant, ouvrez la Bible dans Genèse 3, versets 1 à 13. Genesis 3, 1 to 13. Amen. Maintenant, moi, vous donnez 4 points. Dans sa 13 versets qui nous dit là, il y a 4 points importants là-dedans. I'm going to give you 4 points in those 13 verses that we read. So there's 4 important points in this. La désobéissance est entrée dans le monde. How disobedience coming into the world. Il trouve dans le premier verset. The first verse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du Jordan? Now the serpent was more crafty. Skill in deceit than any living creature of the field which the Lord God has made. And the serpent Satan said to the woman, can it really be that God has said, you shall not eat from any tree of the garden? La Bible nous dit que le serpent a utilisé la ruse. So the Bible says that teach us that the Satan, the serpent, used a crafty skill, deceitful. So he used that kind of trick. Pour atteindre son objectif. To obtain whatever you want. Premier point, la ruse. Le diable fait servir la ruse. Crafty. Le serpent a formulé ces mots en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du Jordan, a apporté le doute dans la pensée d'Ève. The way that the serpent speak to Eve, brought like doubt. It may make her think that if God really said that. Le deuxième point, c'est le doute qui fit rentrer dans les cœurs Ève. So the second point is doubt. Le doute, c'est un état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti. So doubt is something that makes you hesitate to do something. Le doute, c'est un poison pour nous penser. It's a poison for our thinking. C'est plus qu'un virus. It's more than a virus. Le troisième point. Third point. Les trous dans verset 6. In verse 6. Nous voyons la vie. Et en regardant l'homme, elle vit que l'homme était bon à manger et when agréable à la vue. The third point is like when Eve look at the tree. She saw that the tree is good to eat, it's good for food. Ça, finalement, la convoitise. So she lost over the fruit. Convoitise avec ce léger, avec ce léger et avec ce lâcher. Lost with the eyes,
the heart and the flesh. Le troisième point, c'est la convoitise. So the third point is the lust. Amen. Le quatrième point. Fourth point. Finalement, elle a été séduite par le serpent. Amen. She was deceived by the serpent. Ça les trouve dans le verset 13. In verse 13. La séduction, c'est une action faite de séduire. Seduction, to seduce, to deceive. Quelqu'un de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. It's like a charm to attract you and deceive you. Amen. Mm-hmm. Ce matin, à travers ces quatre points, nous trouvons que le péché rentre dans le monde. Amen. So this morning, through these four points that you have spoken, we can see that the sin came through into the world. La ruse du diable, premièrement. The crafty. Le doute de la pensée d'Ève. The doubt in the thoughts. La convoitise. The lust. Et la séduction. And the seduction. Le péché a fait son entrée dans le monde. Sin came into the world. L'homme a désobéi à l'ordre suprême du Créateur. Man disobeyed to his creator. Et là, l'homme a été séparé de la présence de Dieu. So when he sinned, the result for that, he was separated from God. L'homme a été séparé de la présence de Dieu. L'homme a été séparé de la source de vie. Amen. When he was separated from God, so the living source of God was separated from, so there's no more source of living source life coming through him. Amen. Yeah. Et à travers cette séparation, la créature merveilleuse a été déformée. So when the separation came forth, the wonderfully made creation came to change, is no more wonderfully. It's something deformed, like from his origin. Yes. Il a perdu ses capacités, ses potentiels spirituels. So he lost his capacity and potential, spiritual potential and capacity. Parce qu'il a été déconnecté avec la source. Because he was disconnected, separated from God, from the source, the living source. La vie de Dieu s'est éloignée de lui et les ténèbres a pris place. So life separated from him and the darkness came in. Et la loi de la mort s'est activée. So the rules of death activated in him because the salary of death, of sin is death. Amen. Maintenant, donc, je vous donne un exemple bien clair. Clear example now. Ce matin, si nous pouvons pas cause dans ce micro là. If we can speak in that mic. Si nous pouvons pas gagner la lumière. If we can have lights here. Si nous pouvons pas in our wifi. If we can have wifi. Pour nous pouvons connecter. To connect ourselves. C'est parce qu'il y a une connexion qui passait. Because there is a connection there. Et là, il a la lumière, l'électricité. There is electricity, light. Si tu allais quand l'église finit sur la case. When church is over, we go home. Pas un courant que Dieu. And there is no electricity at your place there. Premièrement, ça vous décourage. You will be discouraged. Parce qu'il y fait. Why? Papa, il y a télévision. There is no TV. Papa, il y a Wi-Fi. No Wi-Fi. Papa, il y a pas communique. Avec ben du monde qui nous a petit communiqué. So we will not be able to connect to the people that we already have connection with. Pas pour carrer pas sèche parce qu'il fait la courante. We cannot iron our clothes. Parce qu'il y fait connexion est coupée. Why? Because there's no connection. C'est ce qui passait dans Genèse quand l'homme vient désobéir. Parce que Dieu c'est la vie. Dieu y avait la lumière par sa présence. That's what happened in the garden. Amen. God bring life, bring power, bring electricity. He is the light. So amen. When man got disconnected, so
He lost all these benefits. Quand la présence de Dieu vient éloignée de l'homme. When God separated from himself from man. L'homme il rentre dans une ténèbre. Man was in darkness. Les perdus se repèrent. There's no There's no guidance. That's it. Thank you, brother. Tout ce qui vient de passer, il paraît comme électricité. Nous faisons électricité pour nous capables de faire tout le mal qui nous est là. Si il y a électricité dans le monde, là, actuellement, comme si ma vie est tout immobile. So electricity is what is very important in the days that we are living. If there's no electricity in everything we do, at work, home, business, and everything that we do, if there's no electricity, there's nothing that we can do. Pareil comme la présence de Dieu. Si vous peinez la présence de Dieu, ou comment est-ce qu'il est mort spirituellement? If there's no presence of God, it's the same. For the presence of God. If you got no presence of God, there's no light, there's no the power of the living God inside of you. Et c'est la mort. You are dead. Romains 5, 12. Romans 5, 12. Hallelujah. Praise the Lord. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Et ce matin, vous prouvez qu'à travers un seul homme, à travers un seul homme qui nous trouvait que le péché qui rentre dans le monde et la mort qui commence à manifester parce qu'il est là tout ce qui est dégradé dans l'homme. Amen. So we can see that only through one man sin came in and death entered and destroyed everything. Cette désobéissance a introduit dans le monde toutes les choses négatives. Disobedience brings into the world everything that is negative. Des défaillances. La maladie. Deficiency. La maladie. Que ce soit spirituelle. Spiritually. Psychologique. Psychology. Physique. Physically. Et émotionnelle. And emotionally. Amen. Yes. Mais la bonne nouvelle ce matin. The good news is. Après cela, Dieu a montré à l'homme son amour. Infini. Amen. Amen. God so loved the world. A envoyé Jésus-Christ son fils unique. And gave his only son. Pour restaurer et rétablir le contact avec l'homme. To restore and establish again back reconnect his love with man. Jésus le deuxième Adam est venu comme victime expiatoire pour nos péchés en effaçant cet acte de condamnation qui pesait sur l'homme. So Jesus came to remove the guilt, the shame, and everything that's not from God and clean us. Jesus came to do that work. Colossians 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Blotting out the handwriting of an ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Amen. Voilà ce qui s'est passé dans Genèse, quand là l'homme finit arrivé à désobéir. That's what happened in the book of Genesis when man disobeyed. Moi, envie, revenir dans cette petite quatre points qui m'ont causé de là. So I would like to come back upon these four points that are spoken. Dieu a créé, premier point. The first point was. Dieu a créé l'homme merveilleusement bien. God created man wonderfully. Deuxième point, Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. So,
Second point, God placed man into the garden to keep it and to dress it. Troisième point, Dieu donna un ordre à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And the third point was not, he was not supposed to eat that fruit that God said you will not eat it. Le quatrième point, le péché est entré dans le monde. And the fourth point, that the sin came into the world. Ce matin, le premier Adam, il va me suivre l'instruction qu'ils vont dire de lui. The first Adam didn't follow the instruction. Ce matin, mon cause avec l'Église. So I'm speaking to the church this morning. De la part de Dieu. On behalf of God. Ce matin, l'irresponsabilité. It's our responsibility this morning. Pour ne pas faire ce que l'homme il fait. Quand bon Dieu il donne une instruction, nous puissions suivre sur l'instruction. To do the same thing that man, the first Adam did, but we have to follow the instruction. Qui vient m'obéir cela? Why I'm saying that? Dans le deuxième point qui nous fait causer là, Dieu place à l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. For the second point that we've spoken, so God placed Adam to the garden to dress and to keep it. Et ce matin, vous donnez le titre au message. So I'm going to give you now the title of the message. Cultive et garde ta relation avec Dieu. Mm-hmm. So cultivate, dress and keep your relationship with God. Amen. 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 Si le premier homme qui cultive et garde son relation avec Dieu, l'ennemi parti pour capable c'est Dieu. If the first man kept that communication, that relationship with God, Satan will not have the ability to separate him from God. Cultiver. Quand nous causons cultiver, tout le monde comprend. Cultiver, c'est quoi? C'est planter. Cultivated is like to plant and to keep it and to make it blow and to make it flourish and bear fruit. Mais nous, les chrétiens, ce qui nous trouvait dans la Russe, cultiver veut dire travailler la terre pour le rendre fertile. Alléluia. So, why they are laughing? It's not of you because I preached on that yesterday. Okay. The same spirit, that's why. Amen. Same, amen, spirit, amen. Same spirit is moving. Amen, so, amen. Cultivated is to make things grow and to make things wonderful. Deuxième, ça veut dire faire pousser une plante. To make it grow, to make a plant grow and bear fruit. Troisième, entretenir soigneusement des relations avec quelqu'un. So, to entertain, to keep, to flourish a relationship with somebody. Un exemple, nous cultivons une amitié avec un camarade. So we cultivate our friendship with our friend. Nous cultivons une relation entre un homme avec une femme. Between a man and a woman, there's a amen. Relationship that needs to be cultivated. Maintenant, garder. Tout le monde connaît garder, qui veut dire? And we know the word keep is. Maintenant, garder, c'est quoi? What is to keep? Veillez sur. It's to look after. Prends soin. To take care. Exemple, garder un malade. To look after a sick person. Surveiller pour empêcher de fuir. To watch over the prisoners. Surveiller pour empêcher l'appropriation par tierce. L'appropriation. Garder une place. To keep a place. Si moi me comprends bien et me pensez de vous d'accord avec moi, bon Dieu il place l'homme dans le jardin pour avoir une relation. So God placed man into the garden to have a relationship, a communication avec lui. Yes. Et pour cultiver cette relation. And to cultivate that relationship. Amen. Quand nous sommes dans une relation entre époux et épouse. So when we are in a relationship between husband and wife. Ma pensée, c'est un exemple le plus facile. Époux épouse. It's an example. It's more easy to understand. Nous devons entretenir cette relation. We have to keep that relationship, that wedding, that
that relationship. Nous devons cultiver cette relation. We have to cultivate it. Être présent l'un pour l'autre. We have to be present for each other. Nous devons connaître la personne avec qui nous sommes en relation. We must know the person with who we are. Nous devons faire confiance mutuellement. We have to trust each other. Une relation, ce n'est pas à sens unique, mais dans les deux sens. It's not a one-way traffic, it's two-way traffic. Quand tu es dans une relation, tu as toujours envie que l'autre soit toujours présent à tes côtés. So when you're in a relationship, you want all the time you want that the other one is on your side. Ce matin, Dieu désire et a sa relation avec toi. Amen. Quand tu as une relation avec quelqu'un, tu cherches à garder cette relation maintenant. Mon cœur cultivé, mon cœur gardé. Quand tu as une relation, tu dis, garde cette relation. So when Amen. When we are in that relationship, we have an alliance. We are in a covenant or whatever it is, wedding, wedding couple, whatever they say now in the new term. So you have to keep it. We have to work on it, to protect, cultivate it. C'est ça, à protéger cette relation. Tu ne peux pas laisser une troisième personne. Écoute-moi bien. C'est des affaires qui sont importantes pour que tu y aies là. So I'm going to say something very important now. Tu ne peux pas laisser une troisième personne entrer dans cette relation entre mari et femme. In a relationship, it's always a pair. There's only one and two. So man and woman. You cannot allow a third person to come inside of it. Pourquoi je dis cela? Why that? Parce que le diable, c'est la troisième personne qui est entrée dans le Jordan. Because the third person was Satan that came into the garden to destroy the relationship. Pour détruire la relation qu'Adam avait avec Dieu. To destroy the relationship God, with God and Adam. Il était jaloux de cette relation. He was jealous of it. Dans notre relation actuelle entre mari et femme. So in our relationship now, husband and wife. S'il y a un autre homme ou une autre femme. So if there is a third person, man or woman, inside that relationship. Le couple se déchire ou se brise carrément. There's no more relationship. There's no more couple. Et si Adam et Ève avaient cultivé et gardé cette relation avec Dieu, nous ne serions pas là aujourd'hui. So if Adam and Eve has kept that relationship as God made it, so we would not have that same situation that we find ourselves today. Et vous croyez ce matin que bon Dieu il fait cause avec nous? That's why God is talking to us this morning. C'est notre responsabilité de cultiver et garder cette relation. It's Amen. Our responsibility Amen. To keep and to protect that relationship with Him. C'est extrêmement important pour notre survie spirituelle. It's extremely important for us to keep our spiritual communication with God. Moi, envie qu'on soit avec un jeune ce matin. So I want to speak to the youth. Ben this enfants morning, ce matin. To the children this morning. Ben adultes ce matin. For adults. Connais qui ce matin nous donne relation avec Dieu. We know that this morning we are in a relationship with God. Sa relation là nous aide nous. And that the relationship we have to nourish it, to share with it, to feed it. Quand on lui donne une relation, the relationship, physique, mauvais bien là, physical relationship, surtout quand on lui est portable, nous être accrochés à nos portables. If we have a relationship with our smartphone, so we get so tight, so close to the phone, because we don't leave it. Parce qu'il nous envie. Parce qu'il nous a envie d'avoir communication avec la personne. So we want to have communication with the other person. Ça veut dire que nos portables restent avec nous. Nous restent comme si 24 heures ou 24 heures sans portable. Là, nous attendons quand la personne va venir un message et nous pour répondre. So explain now. So the phone is like a substitute for that person. So the person is not here physically, but the phone is here. So we kept the phone on our side because in our mind we know that that person is gonna
write the text, send us a message and everything that we need. So we are going to have a connection, a relationship through that phone. So we keep the phone on our side. Amen. 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 Ce matin, l'appel qui m'a pour l'église, qui nous visait entretenir cette relation, bâtir cette relation avec Dieu. So that's why I want to tell you this morning that you have to keep the relationship, protect the relationship, nourish the relationship, share it, keep it close to you. L'homme a été créé pour Dieu et pour Dieu. God is created for God, by God. Une relation, ça se cultive pour porter du fruit. Relationship is cultivated to bear fruit. Pour ton capable, reste dans relation avec ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, ton camarade, tu veux cultiver. So to stay in the same relationship and have the same desire, same strength, power, you have to cultivate. Une relation, il disait grandir, il pas besoin de rester stagnant. So relationship have to grow, cannot stay on the same level. Quand tu es en relation avec mon Dieu, tu peux la vie de Zoé. Zoé veut dire la vie divine de Dieu en toi. So when we have a relationship with God, when you fellowship with God, you will have the Zoé life inside of you. Parce qu'il ne connaît pas oublier. Do not forget, please. Qui dans l'Ancien Testament, bon, le diable qui servit, la ruse, le doute, la convoitise et la séduction. So in the Old Testament, when we read it, so in the Satan, the devil used crafty seduction and lust. Et il y a encore plus fini. Still the same today. Il s'immisce dans ta vie. You will get into, you will try to get in. Tu vas retrouver lui. Between you and your partner. Tu vas retrouver lui. You will not see him. Parce qu'il est pour ruser, il vous servit stratégie. You use strategy, you will not see him. À cause ça même, vous êtes cultive cette relation. That's why you have to cultivate that relationship. Jean 10:10. John 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. The thief come not but for to steal. And to kill and to destroy. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ce matin, nous tous, nous avons une relation avec Dieu. Tout ce qu'il a. Même ce petit bébé qu'il a là, ce petit garçon là, il est dans cette relation. Il est capable pas de trouver lui. Mais le fait qu'il est dans la présence de Dieu, bon Dieu, il prend soin de lui. Amen. Amen. This morning we all have a relationship with God. Doesn't matter what age you are, in what category of type of you are, God has a relationship with you. Even a small baby there, God has a relationship with him. He protects him. He knows what he needs and everything. Qui fait mon Dieu qu'il crée l'homme et la femme? Why God created man and woman? Pour avoir une relation. To have a relationship with them, fellowship with them. Qui doit être cultivé, gardé. A fellowship that needs to be cultivated and kept. Dans l'église. In the church. Nous mêmes frères, nous mêmes sœurs. Brothers and sisters. Cette relation qui nous est là, l'église est cultivée et gardée. The same relationship that we have in the church, between brothers and sisters, we have to keep it, cultivate it, cherish it, protect it. Nous avons notre père spirituel, notre pasteur. Oui. Cette relation doit être cultivée, gardée. Amen. So we have our spiritual father, our pastor. We have to keep that relationship. We have to cherish that relationship. We have to protect that relationship. Nous avons nos enfants. Nous devons cultiver, garder cette relation. Parents, enfants et enfants-parents. The same for the parent and the children. The children and the parent. We have to keep that relationship and protect it. Une relation est faite pour être cultivée, gardée, vous savez. A relationship is made to cultivate and protect. Amen. You have to protect it and cultivate it, develop it, make it grow. Amen. Et ce matin, pour la prière, pour vous, pour un frère ou une sœur. My prayer for you, brothers and sisters, is. Notre relation avec notre Créateur est très, très importante pour notre survie. Our relationship
And communication, fellowship with our Creator is very important for us, for our living. Si tu n'as pas de connexion, il n'y a pas de lumière. There's no connection, there's no light. Comme aimerait dire, pareil comme un courant, si paye la courant, paye la lumière. If there's no electricity, there's no light. Nous, la source, c'est Dieu. Our source is God. Nos connexions, c'est Dieu. Our connection is God. Nous devons maintenir cette relation. We have to maintain that relationship. Nous devons garder cette relation. We have to keep that relationship. Si nous avons envie d'aller de l'avant, si nous avons envie de progresser dans la vie spirituelle, if we want to progress, if we want to move forward in our spiritual life, nous devons maintenir, garder et maintenir, cultiver, garder cette relation. We have to maintain it and keep it. Ce matin, si te trouver, mon père connaît n'importe qui l'a, n'importe qui s'en a qui l'a, qui se trouvait, qui est éloigné de la présence de Dieu, qui se pas piquer à la lumière qui visait là parce qu'ils sont loin à cause du péché, c'est le moment pour qu'ils se retournent. Whoever here this morning, whoever want to and see that that relationship has decreased, there's no more communication, no more fellowship with God, please. You have to return and get it back. C'est le moment. C'est le moment. C'est pas demain. This is le moment. Now, the time is now. This is the time, not tomorrow. Sa relation qui est là dans le monde, c'est bien. Nous avons la relation avec nos bons frères, nos bonnes sœurs. There's the relationship with our brothers and sisters is good. Mais c'est le plus important. Le plus important. Quand bon Dieu t'y crée le monde, quand il t'y crée, il t'y crée relation entre lui. Avec l'homme avant. So the relationship with brother and sister is okay, is good, but with God is more important because God created man first to have a relationship with Him. C'est après qu'il est créé. Eve pour gagner sa communion là avec l'homme. So He created man first to communicate and fellowship with Him. Then after that, He said it's not good for man to be alone. Then He created a wife. Amen. Amen. Cette relation avec Dieu est importante. So, do not neglect your relationship with God, your fellowship with God. It's so important. Pourrait dire nos relations avec Dieu. We are your relationship with our God, our Father. Amen. 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 Ce matin, vous déposez ça dans votre cœur. Amen. Merci. Amen. And when we understand the word of God, Satan cannot remove that word from our heart. And we have the seed inside of us so it can grow and bear fruit. As we just listen, we have to listen, to follow, we have to keep, we have to nourish, we have to protect our relationship with God. Amen. So please, I just want to tell you that for me to speak English and to translate at the same time is quite difficult because I'm trying to get back my English. And to translate French into English is more difficult than the other one. So please bear with me. In Jesus' name, may God bless you. I hope that you understand. You can send me a message or a comment, whatever, just to let me know if you understand anything, that you're blessed or not. In Jesus' name, God bless you. Amen. Amen.